Hey la femme et wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai postée hier qui s'appelle 7 astuces pour gérer sa diète pendant les fêtes. Vidéo dans laquelle je vous expliquais tous les trucs pour rester sec à Noël malgré les grosses bouffes, malgré les gros repas, comment pouvoir gérer sa diète de manière équilibrée pour pouvoir garder votre beau six-pack. Le truc c'est qu'à la fin de cette vidéo je vous ai dit que ça c'était là. Bonne manière de faire, en tout cas la manière de faire si vous vouliez rester sec, mais ce n'est pas ce que moi je faisais chaque année et ce n'est pas ce que j'allais faire cette année. D'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo, vous avez juste à cliquer là ou là, je sais jamais de quel côté ça s'affiche, mais en gros, cliquez dessus si vous voulez voir ma dernière vidéo parce que celle-là c'est la suite directe. À la fin de la vidéo, je vous laisse un peu sur un suspense en disant que moi je ne fais pas ça, et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes projets pour les fêtes de Noël et comment moi je vais gérer ma diète. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai comment vous pouvez prendre la bonne décision sur la manière de gérer votre diète. Je vous dis pas de faire comme moi, je vous dis pas d'aller dans une extrême ou dans l'autre. Je vous explique simplement quelles sont les choses selon moi à regarder pour définir sa diète durant les fêtes de fin d'année, quelles sont les choses les plus importantes pour vous à checker pour choisir comment manger. Vous verrez, c'est plus psychologique, mental que physique au final. Et je pense que chacun doit gérer sa diète d'une manière différente, d'une manière qui lui corresponde à lui-même. Enfin bref, je vais pas faire durer cette intro 3 heures. Je vous laisse avec la vidéo. N'oubliez pas avant ça de vous abonner rapidement parce que comme je l'ai dit à chaque fois, pour vous c'est juste un petit clic, mais pour moi c'est une grande motivation. J'espère que ça vous aidera à trouver comment gérer votre diète pendant les fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, vous l'avez vu, on va parler de comment suivre sa diète, comment rester sec pendant les fêtes de Noël. Donc je vous parlerai de ce qu'il faut faire pour garder sa shape pendant les fêtes, mais d'un autre côté, je vous dirai aussi honnêtement ce que moi je vais faire. Et à la fin, je vous dirai ce que vous devez faire, ou plutôt comment prendre la bonne décision sur comment gérer votre diète pendant les fêtes. Donc, tout d'abord, je vais vous donner des conseils sur quoi faire pendant les fêtes pour rester sec malgré tous les gros repas qui arrivent. Voilà, si vous suivez ces conseils, je pense que vos fêtes devraient bien se passer et que vous ne devrez pas prendre trop de gras. Donc voilà, si vous voulez vraiment gérer votre diète pendant ces fêtes en faisant un peu plaisir, c'est comme ça que je vous conseille de faire. Mais c'est pas comme ça que je vais faire moi. Je vais vous dire tout de suite ce que moi je vais faire. Je vous dis pas de faire ce que je m'apprête à vous dire. Franchement, ça dépend de vous. Mais moi, je vais être totalement honnête et transparent comme j'ai été depuis le début de la chaîne. Et je vais vous dire ce que moi je vais faire. Déjà, moi, je fais pas de cheat meal l'année. La plupart du temps, je fais pas de cheat meal le week-end. Peut-être que je vais un peu me ajouter un ou deux repas lire de par mois de temps en temps l'année prochaine parce que je vais prendre du poids, je serai en prise de masse, donc ce sera plus simple. Mais pour l'instant, je faisais pas ça. Ce que je faisais, et peut-être je vais être honnête avec vous, c'est la dernière année que je vais le faire, mais c'était un mois de cheat une fois par année. Alors, c'est pas du tout quelque chose d'optimal niveau muscu, niveau diète, niveau corps au corps, niveau hormones. Je dis pas du tout que c'est ça qu'il faut faire. Encore une fois, j'ai pas déblatéré 3 heures là-dessus. C'est simplement personnel et c'est pour un kiff personnel. Donc ne pensez pas que c'est des objectifs muscu, c'est pour ça que je fais ça. C'est simplement un kiff à moi. Donc n'y voyez pas, ne posez pas mille questions pourquoi je fais ça. Je vais vous le dire tout de suite, mais ça n'a rien à voir avec la muscu. Déjà, ce mois, comme j'ai dit, c'est comme un cheat. Mais une fois par année, du coup, je le mentalise toute l'année. Donc, psychologiquement, je suis à l'aise avec ça. J'y pense toute l'année et je me motive avec ça. J'attends vraiment ce mois avec impatience. Et durant mes durs mois de sèche, je fais la liste des restos que je vais me faire pendant ce mois-là, la liste des grosses bouffes, tout ce que je vais faire et tout. Et du coup, ça me motive à me pousser plus loin ma sèche. Ça me motive en sachant que j'ai ce mois à la fin de l'année. Comme vous, peut-être, ça vous motive de faire votre cardio en semaine quand vous savez que le samedi, vous faites un burger. Ben, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je choisis de faire ça. Déjà, premièrement, j'adore manger. J'adore manger. Vous allez me dire, oui, moi aussi, j'aime manger. Non, moi, j'aime pas manger. J'adore manger. Je surkiffe la bouffe. C'est ma vie. Donc voilà, j'ai besoin d'une période où je me fais super plaisir. Surtout que pendant les fêtes de Noël, j'adore tout ce qu'il y a. Le chapon à Noël, les biscuits de Noël, la galette des rois, la frangipane, frère. C'est bientôt, c'est le 7 janvier, on y est bientôt. Donc bref, j'adore tous ces trucs. Donc je veux pouvoir en profiter à 100% sans me prendre la tête. C'est une fois par année et je veux pouvoir en profiter. Ensuite, le repas de Noël en famille, c'est quelque chose de très important pour moi. On a chacun un truc dans la vie qui sont plus ou moins importants pour nous. On est tous différents. Et voilà, on a chacun un truc qu'on aime ou pas. Typiquement, moi, le sport, j'adore ça. Je peux pas vivre sans sport. Là, les salles sont fermées, je pète un plomb. Il y a des gens qui s'en foutent totalement. Et s'ils vont pas à la salle pendant quelques semaines, ils s'en fichent. C'est chacun a ses trucs qui kiffent. Par exemple, Nouvel An, typiquement, je sais que pour certains d'entre vous, Nouvel An, c'est la soirée de l'année, vous êtes dégoûté à cause du Covid, vous n'allez pas pouvoir faire la fête comme d'habitude, vous êtes dégoûté vraiment, et ça vous gave. Moi, perso, quand j'étais plus jeune, je sais que quand j'avais 18-19 ans, j'adorais Nouvel An, c'était la soirée, on faisait tout bon, on se préparait pendant des semaines, c'était vraiment le kiff ultime. Maintenant, pour être honnête, je m'en fous un peu. Chacun a ses valeurs, on va dire, que ce soit des choses dans l'année ou même de manière générale, les trucs sont plus ou moins importants pour nous. Et pour moi, Noël, c'est vraiment important et bouffer beaucoup, ça fait partie de la soirée de Noël. Être avec sa famille, ses amis, passer un bon moment ensemble, vraiment kiffer cet esprit de Noël, j'adore, franchement.
Mais la bouffe, ça en fait partie. Et j'aime bouffer, je suis comme ça, jusqu'à avoir mal au bide. Je sais, c'est bête. Encore une fois, je vais pas vous dire muscu, muscu, muscu. Non, on parle pas de muscu, on parle l'aspect psychologique et l'aspect de kiffer la vie. Parce que la muscu, c'est un truc, mais kiffer sa vie, ne pas avoir de regrets, apprécier ce qu'on fait, mettre les choses les plus importantes pour nous en avant et faire ce qui nous rend heureux, c'est ça au final le plus important. Tout est une question de balance, il faut trouver le bon équilibre et faire ce qui nous fait kiffer sur le long terme. Donc voilà, je sais que certains youtubeurs prennent leur Tupperware le jour de Noël, le soir de Noël pour manger leur petit Tupperware en famille. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment pas mon cas, donc perso, moi je vais me faire plaisir. Plus de tout ça, bon ça c'est personnel, mais avec ma chérie, on a aussi une petite tradition durant les fêtes où on se fait pas mal de plaisir, de bouffe ensemble, de rester ensemble et tout. C'est une petite tradition entre nous, donc ça aussi ça joue et c'est aussi pour ça que bah, je pourrais être plus flexible pendant les fêtes. Donc bref, tout ça fait que je vais me démonter le bide pendant presque un mois. Noël, Nouvel An, biscuits de Noël, frangipane, mais aussi des restos, des fast-food, des grosses bouffes à la maison. Il y aura sûrement des crêpes, du chocolat, des glaces, des Five Guys, des KFC, des burgers, enfin toute la bouffe que vous pouvez imaginer, je vais me démonter le bide. Donc préparez-vous à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos de bouffe ou qui contiennent la bouffe sur cette chaîne. Si vous êtes en sèche, je suis désolé pour vous. Si vous êtes en diète de ouf, vous allez souffrir. Mais il y aura beaucoup de vidéos de bouffe. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos de bouffe, challenge 10 000 calories, bouffer que du McDo pendant 24 heures, bouffer ci, bouffer ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Je ferai sûrement un épisode 2 pour ceux qui n'avaient pas vu le 1 de Instagram décide ce que je mange. C'est-à-dire que le jour même, je mets des sondages. Vous voulez que je mange quoi? Vous voulez que je mange où? Et les gens sur Instagram votent. Je prends ça ou ça. Et c'est vous qui décidez sur Instagram ce que je mange. Donc suivez-moi sur Insta, là ou là, je sais jamais. Pour décider en live de ce que je mangerai, je mettrai ensuite sur la vidéo sur YouTube. Donc voilà, je ferai certainement un Instagram, décide ce que je mange, des challenges 20 000 calories, tout ça, on verra, mais il y aura eu très lourd. Et comme j'ai dit, si vous avez des idées de challenges de bouffe intéressantes, des bons challenges, pas des trucs dégueulasses, mettez-les-moi en commentaire, un truc qui peut vous motiver, et peut-être que je ferai des vidéos dessus. Moi, je suis à l'aise mentalement avec ça, psychologiquement, parce que ça fait toute l'année que je mentalise cette période de bouffe, et je sais que je vais prendre du poids, et je l'ai déjà accepté à l'avance. Donc, je suis bien mentalement avec ça. Ça, c'est le plus important. Maintenant, je ne vous dis pas de faire la même chose que moi. Donc, maintenant, je vais vous aider à décider comment vous pouvez gérer votre diète pendant les fêtes. T'as deux extrêmes. T'as l'extrême, je bouffe tout et n'importe quoi et je me fais péter le bide pendant les fêtes. Et t'as l'autre extrême qui dit, je suis ma diète à 100%. Et c'est pas l'un ou l'autre. C'est, on va dire, une échelle et tu places ton curseur hein, de 0 à 100%, on va dire, là où tu veux. Et il faut pas trouver le juste milieu. Il faut trouver ton juste milieu. Parce que chacun est différent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, chacun apporte plus ou moins d'importance à suivre sa diète, à son physique. Chacun peut encaisser le fait de prendre du gras plus ou moins facilement, de voir son physique qui change. Et chacun donne plus ou moins d'importance aux fêtes de Noël et à la bouffe qui va avec. Donc c'est à toi de trouver ton juste milieu personnel, le bon pourcentage de craquage et le bon pourcentage de suivre sa diète pour que tu sois à l'aise avec ça au final et après les fêtes. Et ça, c'est le plus important. Il faut que tu sois à l'aise avec ça et il faut ne pas avoir de regrets. C'est vraiment le plus important de ne pas avoir de regrets. Ne pas avoir de regrets, ça veut dire dans les deux sens. Ça veut dire ne pas être après les fêtes, oh non, j'ai trop mangé, j'ai craqué, mon physique est dégueulasse, je me sens mal, j'aurais jamais dû manger autant. Et c'est aussi, oh mince, j'ai pas profité des fêtes, c'est une seule fois par année, j'ai refusé de goûter le gâteau que ma grand-mère m'a préparé, alors que ma grand-mère, ça lui fait plaisir que je le mange et que moi j'adore ce gâteau parce que voilà, je voulais garder ma diète, j'ai pas mangé avec ma famille, j'ai pas fait assez de craquage, vraiment psychologiquement je suis pas bien, j'ai pas profité de Noël, c'est qu'une fois par année, tout ça. Donc ça dans les deux sens, il faut trouver votre juste milieu. Il faut vraiment voir à quel point toutes ces choses sont importantes pour toi et prendre ta décision en fonction d'où tu places ce curseur. Peu importe le choix que tu fais, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets et c'est d'être à l'aise mentalement avec ça, même après les fêtes, avec ton corps, avec les dégâts que tu auras fait ou pas à ton corps, ou pas à ton esprit, et comment tu auras profité de ces fêtes tout en gérant ton physique. Donc c'est à toi de trouver ton propre juste milieu. Donc voilà, je vous ai donné des conseils sur comment pouvoir gérer sa diète si on veut rester sec. Toutes les petites astuces à suivre. Je vous ai dit comment moi je vais faire. Je vous ai montré les deux extrêmes et je vous ai expliqué comment choisir votre manière de faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît si vous avez kiffé cette vidéo parce que comme je dis toujours, pour vous c'est juste un petit clic mais pour moi c'est une énorme motivation. Donc, abonnez-vous, lâchez un petit like, un commentaire et n'oubliez pas de me dire si vous avez des idées de challenge de bouffe que vous voulez voir durant ces prochaines semaines, durant ce prochain mois. En tout cas, moi, je suis en diète jusqu'au 24 décembre au soir et là, la folie commencera et j'ai bien sûr vous filmer tout ça et vous emmener avec moi. Donc, j'espère que vous serez là. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. C'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.